Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. C'est Iker, on est parti dans une nouvelle vidéo de Smite. Et qu'est-ce qui se passe quand un pro solo laner débarque sur la middle lane dans une saison où il faut être présent du côté de la solo, car il y a le Bull Demon King. Donc ça va être intéressant de découvrir ça. On a Fideoke ici, ancien joueur pro de Smite, excellent d'ailleurs, qui va nous jouer ici les petits potes à la compote. Un gameplay de rat middle. Alors on rappelle pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo sur les passifs, la tier list des passifs, rat a tout simplement un passif qui fait qu'il obtient, il améliore sa vitesse de déplacement de 5% par sort lancé jusqu'à un maximum de 3 et le passif reste actif pendant une quinzaine de secondes. Donc toutes les 15 secondes, il faut essayer de lancer un sort au bout d'un moment pour tout simplement garder cette vitesse accrue. Au niveau du reste, Fideoke va faire un choix assez classique. On va partir sur la CDR, sur la middle lane. Ra n'a pas besoin d'une gemme arcanique et le sable du temps, voit un up léger vu le nerf de la gemme arcanique sur le patch 11.4. Donc le sable du temps est un petit peu revenu dans la méta. Ensuite, on va partir sur une purification pour pouvoir gérer les contrôles adverses. Et on va avoir également le choix de prendre l'éclat. On va voir quel éclat il décide de prendre, quelle potion il décide de partir. Et normalement, on devrait avoir le choix de partir. Je pense qu'il reste à côté du Kepri pour pouvoir garder le shield, je suppose. Derrière, on part sur l'artefact. Bon, de toute façon, le Kepri s'est barré, donc le shield va bientôt s'enfuir. Disparaître dans les limbes. Ensuite, on prend l'éclat de corne pour avoir la CDR. Et on prend deux potions de vie, deux multipotions. Donc on est parti, en plus on est sur le nouveau skin qui vient tout juste de sortir dans le Battle Pass. Et on va aller récupérer tout simplement le pool qui n'a pas changé, hein, qui restera toujours le pool du speed sur le rouge. C'est parti, hop, on est avec un Arling Sheng en jungle et on est en solo lane avec un Odin a priori. Donc Arling Sheng qui voit d'une certaine manière sans doute le choix assez marrant de ne pas ramasser parce qu'on va un petit peu plus vite avec le speed, donc pourquoi pas, on n'y va pas parce qu'on va ramasser celui-là je suppose. On lance le 3 du côté de Fideoke et ensuite on se casse au mid. Notez que Arling Sheng est d'une certaine manière en effet up puisque d'une certaine manière il y a le fait de faire le katana. Alors la question c'est est-ce qu'il va faire le nouveau katana, je suppose que oui. On va mettre les dieux là où ils doivent être. Oui, Mannequin Scepter. Le Heimdall est en duo. Bam, bam, bam. La Izanami, c'est un ADC, bien évidemment. Le Tchernobog. Non, c'est la Izanami qui est solo, les petits potes à la compote. Et on va mettre quelques petites autos. Bam. On lance le sort pour casser la tourelle pour gêner le plus possible le Vulcain. Et il y a, comme vous le savez, la deuxième lane. Le problème, c'est que Vulcain passe pas level 3 puisque Kamazot est présent sur la lane. Donc on voit qu'il y a un joueur qui est level 3 dans cette partie, c'est Ra. On a réussi à esquiver l'attaque de Fideoke en utilisant le saut du côté de Kamazot. Et ensuite, on a les bonnes vieilles Didarty qui pop à une minute, qu'on va aller chercher ici. Voilà, et puis ensuite, on retourne sur la lane. De l'autre côté, ils sont partis faire les leurs. Et Fideoke ne va pas contester, il va plutôt tranquillement préparer la prochaine lane. Le Arling Sheng va sur la solo, non, il reste là finalement. On flash le Vulcain. Alors ça c'est un moment très très important en tant que midlaner. Comprenez bien que ici c'est soit pour votre QQ, soit pour le QQ de la solo lane. Voilà. Si c'est un joueur qui ne pense pas à la macro et qui veut surtout faire des kills, il va faire ça, il va rester au mid. Si c'est quelqu'un qui pense à la macro et qui veut faire des objectifs, eh ben il va aller sur la solo. Donc ça dépend du profil du joueur. Voilà, voilà. On met le 2, on met le 1 et on clean la lane. On détruit tout de suite la tourelle de Vulcain pour qu'il ne puisse pas s'en servir pour des push. Et on va se retrouver tranquille ou bilou à aller faire les mid-arpi de droite du côté de Fideoke, ou en tout cas peut-être piéger le Vulcain qui voudrait peut-être venir les contester. Mais vu la mana de Vulcain, c'est fort probable qu'il ne vienne pas. On a réussi à tuer la Izanami sur la solo. On récupère les mid-arpi. Ça c'est l'avantage. Là il aurait dû claquer une potion de vie, une potion de mana je pense. Une multipotion pour avoir une grosse régène. Mais il décide de ne pas le faire parce qu'il va peut-être pas tarder à back.
il passe level 5. Bon, je pensais pas qu'il tuait moi là. Il tue vraiment là. Ouais, il tue. 400 de dégâts. C'est quand même pas mal, hein. 400 de dégâts au level 5. L'ulti de Ra est ultra violent, hein. Je viens de m'en rendre compte pour la première fois de ma vie. Mais attendez, par curiosité, l'ulti Scylla au rang 1, il fait combien de dégâts? Il fait 400 aussi. Ah ouais, putain, et je sous-estime mes mages, moi. Je pensais pas qu'il le tuait, là. Alors, il le tue aussi parce qu'il est level 4 et qu'il a un petit peu moins de résistance, mais il fait super mal, l'ultira, putain. Il lui a cassé littéralement le cul avec cet ulti. Donc, ça permet à Fainoki de mener 1-0. On notera qu'il n'y a pas eu le Bull Demon King de fée et que Harling Sheng fait le double pull. Et c'est là que vous allez me dire, mais Iker, putain, t'as trop raison, quand tu prends un mage qui dépoche bien, bah tu snowball énormément. Là déjà, regardez, level 6, il est le plus haut level avec Odin qui a réussi à tuer Izanami, donc pour le moment ils sont à peu près équivalents. Et en fait, vous voyez la macro, il a fait une mid-arpi avec Harling Sheng, il y a Harling Sheng qui lui a piqué un peu d'XP sur la lane, mais il a fait les mid-arpi tout seul. Fainoki claque carrément, vous voyez, là vous voyez, vous allez me dire, mais Iker, t'es un fou de la macro, tout le monde n'est pas aussi fou de la macro que ça. Ah oui, là, il vous expliquait pourquoi il balance l'éclat pour juste avoir ses sorts, pour pouvoir faire les mid-arpi rapidement. C'est que la macro, c'est quelque chose qui est très important quand on veut être un bon joueur de MOBA, c'est obligatoire. Et ensuite, il nous fait un petit timing back pour pouvoir finir. Mais il pourra pas finir, il va nous faire une pièce de charron, première relique. Ok, donc pour avoir de la vitesse de déplacement. Là, il claque son sort pour pouvoir garder ses 3 stacks, puisqu'il avait les 3 stacks grâce au truc. Et il arrive assez rapidement, grâce à sa bonus, grâce à son passif, avant que la lane arrive au sous-tour. On one-shot tout. Et on clean. On récupère tout ça. Bam, c'est récupéré. Donc pièce de charron tout simplement pour avoir de la vitesse de déplacement assez élevée. Bon, c'est pas forcément le choix que je trouve le plus pertinent sur Ra, mais bon après, chacun est libre de faire l'itemisation qu'on veut. Il y a plusieurs choix, il y a l'arbre funeste, il y a le pendentif de Chronos, et il y a la pièce de charron. Pièce de charron, je trouve que c'est pas incroyable au premier item. Donc là, il regarde si le Vulcain vient, le Vulcain conteste. Et ça, c'est un truc que les gens aiment bien faire, c'est se mettre sur cette position-là pour voir si tu fais l'objectif. Et quand tu fais l'objectif, après, il conteste. On récupère tranquille ou bilou le sort. Il y en a un autre que Vulcain est mignon là. Hop. On récupère. On détruit sa tour. Voilà. Il va backfire. Voyez, il perd un peu de gold. L'arrivée de Kamazot. On met le 2 directement pour blind l'adversaire. L'arrivée de Harling Sheng qui était là. Et on s'en sort tranquillement. Je rappelle que quand même, quand vous vous mettez sous votre... Oh oui! Magnifique! Encore un snipe incroyable de Fainoki. Donc, on se rappellera jamais assez. Donc là, le timing est vraiment bon parce qu'il vient de backfire. Et quand tu viens de backfire, bah... Faut noter que t'as un petit timing où l'adversaire n'a pas forcément beaucoup de temps pour répondre, parce que vous êtes d'accord que un timing de snipe intéressant sur beaucoup de personnages, c'est que quand la personne elle est encore en train de faire l'animation. Parce qu'en fait, comprenez bien une chose, même les meilleurs joueurs du monde, peut-être pas les meilleurs joueurs du monde, mais on va dire 99% des joueurs, quand ils sont dans une animation où leur personnage bouge, ils ne sont pas en train... Vous êtes d'accord que leur trajectoire, elle est déjà prédéfinie. Un Houle, quand il saute, vous êtes d'accord qu'un Houle ressaute, un Bakasura saute, un Anur saute. Quand vous voyez l'input du saut partir, quand vous êtes bon à smite, vous savez déjà où il retombe. Jusque-là, vous êtes d'accord. Balbec Fire de Vulcain, c'est quoi? Bah, c'est la même chose. Donc là, je ne sais pas s'il a exactement timé le backfire que Vulcain venait lui faire dessus. C'est-à-dire que là, regardez la réflexion
Regardez, on va se faire ganker par Kamazotte. Voilà, tac. On active le 2 pour mettre le blind. Ensuite, il y a Harling Shen qui arrive. Et regardez ce qui va se passer là. Donc, hop. Donc là, on a Vulcain qui va faire son combo classique. Magma Bombe et Backfire. Et donc là, il vient de Backfire. Non, il était quand même dans l'animation. Et il était quand même dans l'animation de... l'animation de marché. Mais vous voyez, c'est marrant. Le Vulcain a essayé de sidestep. Et il a essayé de sidestep sur la droite. Alors, je ne sais pas s'il y a des expériences scientifiques. Si on a tendance à sidestep sur la droite ou on a plus tendance à sidestep sur la gauche, à votre avis, comme pour un droitier. Quand on tient une souris. Vous pensez que sidestep vers la droite, c'est plus facile que sidestep vers la gauche? Je pense que c'est plus facile de... C'est plus logique que notre cerveau nous fasse sidestep vers la droite que vers la gauche. En tout cas, vers la gauche, il y avait de grandes chances qu'il survive. Et vers la droite, il y avait de grandes chances qu'il meure. Parce qu'en fait, vu que l'angle était plutôt vers la droite, hein, l'angle, ça part de Fainoke et ça va vers la droite, il y avait plus de chances que ça touche. Ah, je sais pas. En tout cas, je crois qu'on a... Enfin, je sais plus, j'avais entendu dire ça. Qu'on sidestep généralement plus vers la droite que vers la gauche. Mais faudrait regarder tous les sidesteps et essayer de voir si on a tendance à plus aller vers la droite qu'aller vers la gauche. Et quand on est droitier, j'ai tendance à penser que le poignet va plus... Ouais, vous voyez, je trouve qu'il y a plus de résistance. J'ai ma souris dans ma main et j'ai plus de résistance quand je vais vers la gauche, quand je vais vers la droite. Donc je suppose que si je réfléchis inconsciemment, j'aurais tendance à plus sidestep vers la droite que vers la gauche. Mais dites-moi si vous avez tendance à plus sidestep vers la droite que vers la gauche. Et les gauchers, dites-moi si vous avez tendance à faire l'inverse. Puisqu'en fait, on aurait tendance à sidestep vers l'extérieur plutôt que vers l'intérieur. Je sais pas. Faudrait voir quand les gens sidestep. S'il y a des sidestep comme ça. Les sidestep, c'est le fait d'essayer de vouloir esquiver le sort qui t'arrive dessus. Est-ce que t'as tendance à plus sidestep vers la gauche ou vers la droite? En même temps, ça dépend aussi de l'angle sur lequel le mec t'attaque au départ. Évidemment, tu vas pas sidestep dans la direction qui va... tu vas aussi sidestep dans la direction qui te permet de t'éloigner de ton ennemi. Pas de t'en approcher, bien évidemment, c'est logique. Mais faudrait voir si Vulcain essaye de dodge d'une certaine manière. Voilà. Et là, regardez. Là, vous voyez à quel point je vous dis souvent que la macro est quelque chose d'hyper important. Et de bien évidemment, là il a pris de kills, mais même sans prendre de kills, n'oubliez pas, il a fait pas mal d'objectifs, etc. Il s'en est plutôt bien sorti. Et regardez à quel point Fainoke, finalement, il est level 10, il prend pas beaucoup de dégâts de Kamazotte, vous voyez. Kamazotte ne lui fait pas beaucoup de dégâts parce que Kamazotte est 8. Et pourtant, il est en 1-0-1. C'est-à-dire que là, vous voyez, avec une maîtrise de la macro supérieure à d'autres joueurs qui sont masters, fait que Kamazotte peut quasiment pas tuer Fainoke. Sauf si Fainoke fait vraiment une énorme erreur, il y a peu de chances qu'il meure. Au niveau du skill order, on fait bien évidemment 4 supérieur à 1, supérieur à 3, supérieur à 2. Je suppose que si vous regardez cette vidéo, beaucoup d'entre vous savent déjà comment on skill order un rat, mais c'est quand même important de le préciser. Le deuxième item de Fainoke sera sans doute une lance de désolation. Ou une Divine Ruin. Les deux sont tout à fait possibles parce que c'est un Kamazotte, ça se sustain pas mal. Là, on essaie de placer le 1 qui touche à la fois les deux. Alors là, il va sidestep quel côté? Non, il va pas sidestep. Regardez si Vulcain allait sidestep ou pas vers un côté ou un autre. On va aider notre cher. On snipe, mais bon. Malheureusement. Ouf, ça fait mal. Pourquoi Vulcain fait aussi mal? Parce qu'il a sans doute, lui, de la pénétration flat. Et c'est exactement le cas. Il a actuellement 10 de pénétration flat. Et ça fait mal, la pénétration flat. Plus mal que la pénétration en pourcentage. On n'arrivera pas à tuer le petit Fainoke. Et Fainoke aussi a sidestep vers la droite, attendez. Attendez, je crois qu'il a sidestep vers la droite là, Fainoke. On va regarder ça de nouveau. On va se faire chier, on va essayer de comprendre. Mais c'est quelque chose qui est important, mine de rien, de savoir dans quel, statistiquement, quelles sont les chances qu'un mec sidestep vers la gauche et combien sont les chances qu'un mec sidestep vers la droite.
Voilà, voilà. Donc là, on s'emmerde. Voilà, tac, tac, tac. Le snipe, hop, là, tac, 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 hop, hop. Donc là, quand il s'est fait agresser, il a sidestep. Donc là, il peut pas sidestep, il prend super cher, voilà. Là, il se fait agresser. Là, il passe vers la gauche. Et, ah non, il a un peu sidestep vers la gauche, puis il a sidestep vers la droite. Ok, ok. Mais il a sidestep vers la droite, c'était parce qu'il avait entendu, il avait vu l'ulti. Mais le premier sidestep était vers la gauche. Okay. Intéressant. Parce que je pense pas que ça soit 50-50. Hein. On a fait une petite lance de désolation du côté de Final Gate, qui fait qu'il a 20% de CDR. Avec son buff rouge et le totem bleu, il a 30% de CDR sur son rat. Je pense qu'il va faire un rat sans pendentif de Chronos. On va Odin qui snowball et qui retue l'Aizanami. On prend le totem bleu parce qu'on l'avait pas tout à l'heure. Et on est maintenant à 30% de CDR. Je rappelle, hein, 10% sur la sable du temps, 10% sur la lance de désolation et 10% sur le totem bleu. On va faire les midarpi. On active le 2, on met le 1 et on récupère les midarpi du côté de Fainoke. 9 minutes 11. C'était quasiment les dernières midarpi. Là, j'ai pas vu s'il avait essayé de sidestep d'un côté ou de l'autre. Vulcain met son ulti pour essayer de dépush. Malheureusement, il le positionne pas si bien que ça. Putain, il dépush pas les distances. Et là, va falloir décaler. Donc là, c'est ce qu'on appelle avoir la priorité. Donc il faut qu'il se barre. Là, vous voyez, les rouges comprennent qu'ils n'ont pas la priorité, que le rat et le Kepri ont décalé trop tôt. Et le problème, c'est qu'il reste un petit peu trop le Ganesh. On recule du côté de Chernobog. Non, c'est bon, ils arriveront à se désengager. Bien joué. Ouais, parce qu'il y a aussi beaucoup plus de chances que ça soit Odin qui décale plutôt que Izanami. On joue safe, on retourne au mid. Là, c'est un peu dommage, il avait perdu son passif, il aurait dû essayer de ne pas le perdre. Et on va se retrouver à récupérer le farm sous tour. Donc là, ce qui est très important, c'est de tuer au moins des archers pour pouvoir récupérer les gars. Chernobog qui retourne sur sa lane. Kamazot qui met le combo sur le pauvre Arling Sheng. Il va falloir esquiver le prochain sort. Oh le pauvre! Oh le pauvre! Le heal plus les résistances. Hein. On rappelle que quand vous êtes dans le 3 de rat, vous avez de la protection. Et ici, c'était 25 de prod supplémentaire. Donc 25 de prod supplémentaire sur le petit Arling Sheng qui est, vous le voyez, à 81 de prod. Fait que le petit Kamazot qui a seulement en pénétration 10... Il tape quelqu'un qui a 71 de prod physique, mine de rien, ça fait quand même un petit peu de soin. Donc faut jamais sous-estimer. On a pas eu de sidestep après véritablement là-dessus. Sidestep, c'est vraiment quand t'entends l'utira et que tu décides d'un côté. Ouais, c'est vraiment ça le sidestep. Quand c'est de dos et que c'est intuitivement, tu vas partir de quel côté. Donc c'est quand même rare dans une game, mais ça arrive quand même. On part sur un éclat d'obsidienne. D'accord, donc Fainoke fait vraiment le choix que j'avais dit, le fameux 60% de pénétration sur un sort toutes les 10 secondes, qui fait vraiment, vraiment d'énormes dégâts, ça. Avec assez peu de pénétration flat, puisqu'il est seulement à 15 sur les 50 de pénétration flat qu'il a. Choix intéressant au niveau du calcul des dégâts. Le Vulcain, lui, part plutôt sur de la full pénétration flat. Vous voyez, lui, il a 25 de pénétration flat sur les 50 déjà. Maximum. Le bull debunking a été fait. Ça permet de voir toutes les wards sur la minimap.
Et là, Izanami, bah, c'est une Izanami, donc elle doit faire très attention. Elle sait faire route. Oh, dommage que Fainoke se synchronise pas avec le Kepri. Il aurait pu sniper au moment où le route touche. Ça aurait passé. On retourne au mid. Donc là, vous voyez, le choix, c'est toujours... Moi, je le fais jamais, ce genre de move. Hein. C'est-à-dire décaler et me rendre compte que je vais perdre la moitié des sbires parce qu'ils vont aller sous tour. Ça me fait toujours très, très chier. Après, il perd pas énormément. Il perd 2 sbires. Et les autres ont all-in la gold parce qu'ils se sont dit ils sont en train d'all-in notre pauvre petit Izanami. Donc on all-in la gold. Et c'est bien joué et ça passe les petits potes à la compote. Donc là, bien joué de la part de l'équipe rouge qui reste devant au gold, 6-5, malgré tout ça. On met des petites autos sous la tour. Utile de Tchernobyl qui va essayer de poursuivre. Qui va essayer. Côté feu qui est parti où, Tchernobyl? Il s'est fait ulti par Heimdall, c'est pour ça. J'ai pas compris, c'est Tchernobyl qui a ulti et qui ensuite s'est fait ulti par Heimdall. J'étais là, oui, il est parti où là? Le snipe, là il faut pré-shot. Est-ce qu'il y a un sidestep? Bah, pas besoin. Pas besoin. Putain, moi j'aurais snipe. J'aurais snipe comme un con. Alors que la vitesse de déplacement était suffisante pour rattraper le Tchernobyl. Bien joué. Bien joué, bien joué, bien joué. Vulcain qui fait tomber la T1 et qui fait un peu de macro et qui va aller voler les camps derrière. Il va aller voler le camp des totems. 4-0 pour Fainoke, éclat d'obsidienne terminé. Deuxième relique, bien évidemment, Égide. Et la pièce de charbon qui est à 5 stacks. Ils sont en train de faire le pyro qui passe. Putain, c'est bien joué hein, de la part de l'équipe rouge. Ça répond au tac au tac. Ça répond au tac au tac du côté de l'équipe rouge. C'est vraiment bien joué. Là, tu sens que c'est du haut level. C'est vraiment prise d'objectif. Vous faites ci, nous on fait ça. C'est pas comme malheureusement à Baello, les gens prennent des objectifs et ne tentent rien et se font snowball énormément. Et pas besoin de ward. C'est là que vous voyez, pas besoin de ward. Parce que les gens à Baello, ils ont peur de tenter un pyromancien. Ils ont peur de tenter une gold. C'est incroyable à quel point ils ont peur. Mais il n'y a pas de ward sur la map. C'est pas parce qu'ils ont la vision qu'ils font ces moves-là au Elo. C'est parce qu'ils ils le tentent, quoi. Ils se disent, ah, ils étaient partis du côté gauche. Donc, vu qu'ils sont partis du côté gauche, après, normalement, ils back pour acheter leurs items. Et donc, on a tant de secondes. On peut tenter un pyro, on peut tenter une gold, etc. Ils étaient sur la solo, on tente la gold, etc. S'il faut vraiment comprendre ça, faut vous sortir l'idée que les jeux, c'est parce qu'ils ward. Oui, mais c'est parce qu'ils ward. Non, c'est pas parce qu'ils ward qu'ils font les moves. C'est parce qu'ils se doutent. C'est des probabilités. C'est, ah, ils étaient à 4 pas loin d'Izanami. Izanami les a vus. Hop, elle a reculé. Il y a Kepri qui a lancé le sort. Il y avait Ra. Ok, et c'est pas vraiment, dans 10 secondes, on fera la gueule. C'est goal. Paf. Et ils y vont tous. Et tout le monde accepte. Et ce qui est vraiment incroyable, c'est que les gens... se refuse de ça. Le snipe ici n'aurait pas tué quand même, vous avez exagéré. Morimi très très low Izanami, ça c'est certain. Participe au bleu. Et c'est là que vous voyez que quand quelqu'un a une bonne macro, bah il peut pas crever facilement. Il est 17 là. Même si la game se passe bien, hein, même si la game se passe bien pour l'équipe rouge, ils sont à 42 700 gold. Fainoke peut-il mourir d'un contre 1 contre Kamazot? C'est peu probable quand même. Hein. Faut vraiment que Fainoke soit dans un endroit perdu ou Kamazot soit vraiment... Parce que là, ouais, c'est impossible. Hein. Kamazot qui claque son ulti. Vulcain est pas trop mal dans sa game non plus. Mais là, ça va être chaud quand même. Bah Vulcain aussi hein. Vulcain, vous voyez, il tank le Heimdall parce qu'il est 17 et que le Heimdall est 13. Il tank grâce à ses levels. Et le Vulcain ici n'est pas mort parce qu'il est 17 hein. Sinon il serait mort hein. S'il était 12 ou 13, il serait fait broyer le cul hein. S'il était du même level que Heimdall, Heimdall est 13, vous voyez. Là ici, vous faites le bilan, vous appuyez sur tab et vous pouvez deviner quoi. Odin a roulé sur Izanami. Mais Izanami, c'est un ADC. Elle a quand même réussi à farmer un petit peu. Elle doit quand même avoir 500 ou 1000 gold de retard sur Odin.
Le Kamazot et le Heimdall sont à peu près à équivalent. 2-2-4 contre 2-2-2-1. Bon, Kamazot vient de mourir, donc Erland repasse peut-être un petit peu devant. Ra contre Vulcain, on voit bien. Pourquoi Ra est aussi... Pourquoi Ra? Pourquoi Iker? Moi, je suis pas aussi haut level que le Ra. Car le Kepri a volé très très peu de lane au mid. Rappelez-vous, ça c'est important. On vole moins de lane au mid avec le support actuellement. Il a plus été présent sur la duo lane, donc ça a tué son Heimdall. Même si le Heimdall s'est tué lui-même parce qu'il est en 0-3-2 et qu'il n'aurait pas pu survivre, Heimdall, il y a eu plus d'XP pris par Kepri sur la duo, sans doute qu'au mid. Donc ce qui fait que le Ra est vraiment très très bien dans sa game. Ganesh était très très peu au mid, donc Vulcain, boum, il est 17 aussi. Les deux supports, on a vu Ganesh qui est 15, qui a sans doute pris peut-être un peu trop d'XP. Ouais, il a trop volé d'XP. Là, il devrait normalement mettre le frein. Après, il se voit que son Tchernobog est au-dessus du monde. Donc, il se dit, bon, moi, je peux prendre de l'XP. Mais voilà. C'est vrai que ça, s'il serait 14 et que Tchernobog était 17, ça serait encore mieux, tu vois. Mais ça, c'est compliqué. Là, on est sur un level très élevé en support. C'est d'arriver à se dire, je suis situé où à la table, et donc je peux peut-être me permettre de prendre un petit moment d'XP pour le donner à quelqu'un. Ça, c'est vraiment quand on est très très fort en support qu'on peut se permettre de faire ça. Enfin, très très fort en macro, pas forcément en support, mais très très fort en macro. Et donc voilà, donc vous voyez, c'est pour ça que la game est équilibrée. Alors attention, la game est équilibrée dans le score, mais elle n'est pas équilibrée si Vulcain s'attaque à... si Ra s'attaque à Izanami, il y a une grande chance que ce soit Fainoke qui gagne. Mais vous voyez, là, les assassins sont des assassins qui sont au fond du trou. Ils sont tous les deux 14, donc ils vont pas servir à grand chose dans cette game. Mais là, ils ont raté leurs 15 premières minutes de jeu. Pourtant, ils ont du 2-2-4 et du 2-2-1, mais ils ont pas assez bien macro. Ils sont 14 tous les deux, donc Kamazot qui essaye de tuer Odin, laisse tomber. Kamazot qui essaye de tuer Ra, laisse tomber. Il y a Kamazot, il peut tuer que Heimdall ici. Et donc, vous voyez à quel point vous pouvez savoir à peu près ce qui va se passer. C'est-à-dire que là, tu sais que Fainoke, il va pas crever avant un moment, sauf s'il se fait un V5. Mais sinon, il crèvera pas. Il est trop résistant et trop tanky. Enfin, pas grâce à ses items, mais tanky grâce à ses levels. Prenons un exemple concret. Ra, actuellement, a 1817 HP. Il a 72 de prot physique, 59 de prot magique. Le Heimdall, qui est donc plus bas level que lui... Lui, il en a 1837, mais il en a 64-51. Donc, il a les mêmes prods physiques. Non, il a même pas les mêmes prods physiques, il en a moins. Mais c'est vrai que Ra, là, n'est pas full life. Alors que Heimdall... Non, il a 1500. Oui, 1839. Et là, 1817. C'est là que vous voyez que les ADC ont plus de PV que les mages, de base. Mais les résistances, par contre, il en a bien plus. Vous allez me dire, c'est rien, c'est 8 de plus et 8 de plus. Bah, en fait, si. Parce que vous savez très bien que plus vous approchez des 100, plus vous réduisez... quand vous avez 100 de résistance, vous réduisez de 50% les dégâts. Très bonne égide. Et derrière, la sidestep vers la gauche. Pas bien joué, là, Izanami. Bon, en même temps, sidestep vers la droite ici, c'est un peu bizarre. Oh putain, elle joue bien, là, Izanami. Hein. La V2 était propre, hein. Mais voilà, mais très bonne égide de la part de Fainoke qui a brain un peu la Izanami. On sent que c'est un joueur pro, Fainoke. Il a pas paniqué. Il s'est dit, je vais la brain, je vais m'approcher d'elle, je vais égide. Et je vais activer mon 2. Et ça va passer. Donc bien joué. Fainoke qui passe level. Bientôt 19 et il a fait une gemme spirituelle. Alors la gemme spirituelle, c'est un objet qui est très particulier. Puisque vous allez avoir 80 de puissance magique, donc c'est pas trop mal, 12% de drain de vie, 10 de CDR, donc il est déjà, donc là maintenant il est au maximum, puisqu'on rappelle que ça donne 10, et son buff rouge lui donne 10, donc il a, enfin, buff rouge totem bleu lui donne 10, donc il a 40%. La gemme spirituelle, chaque compétence réussie donne une charge. À 3 charges, la prochaine compétence qui touche un dieu ennemi consomme les charges et inflige des dégâts bonus équivalents à 20% de votre puissance magique, et ce à tous les dieux touchés. Donc par exemple, à l'heure actuelle, 20% de sa puissance c'est 325, donc ça ajoute un peu plus de 65 de dégâts, on va dire. 65 de dégâts qui doivent être pris en compte par rapport à votre pénétration par rapport à l'adversaire. Et ce, à tous les dieux touchés. En parallèle, toute cette compétence vous soigne, ainsi que les dieux alliés à moins de 20 unités de 15 PV plus 5 par niveau. Je fais partie de ceux qui pensent que c'est pas si ouf. Voilà. Moi, j'aime pas cet objet. Je pense que la Divine Ruin ou ici le bâton de Tahiti est un meilleur choix.
Alors si vous voulez de la CDR, je pense que même le Myrdin est un meilleur choix. Je sais pas si le Myrdin est un meilleur choix. Le Myrdin donne combien de puissance, je ne sais plus. Non, je pense par exemple que l'Orbe Funeste est un meilleur choix. L'Orbe Funeste est un meilleur choix. Mais il aurait fallu la faire un petit peu plus tôt. J'aime pas la gemme spirituelle. Pourquoi? Parce que je vous l'ai dit, hein, la pénétration, il en faut dans... La pénétration est quasiment la chose la plus forte de Smite. Actuellement, depuis le 10.5, depuis maintenant un an. Et la gemme spirituelle donne pas de pénétration au Japon. Pour moi, le passif du pendentif de Chronos, c'est un des rares items qui justifie le fait de pas avoir de pénétration. Mais c'est à peu près tout, hein, si vous regardez tous les autres items en donne. Hein, si on fait le bilan, Orbe Funeste ça en donne, Lance de Déso ça en donne, Pièce de Saron ça en donne, Éclat ça en donne, Myrdin ça en donne, Bâton de Tahuti ça en donne, Livre de Toth ça en donne, Bâton de Sorcier ça en donne, etc. Si vous regardez, quasiment tous les items de mage qu'on fait donnent de la pénétration. Sauf les items de démarrage qu'on donne pas. Et la gemme spirituelle. Donc voilà. Oh dommage, là ici c'est une tentative de snipe à travers le mur parce qu'il se doute qu'il y a des gens qui sont là, ça ne passe pas malheureusement, mais le 3, il a pas mis un peu, il a pas mis le 3 là où il aurait dû, il prend quand même pas mal de dégâts ici de l'ulti vulcain. Mais il le tend quand même relativement bien étant donné qu'il level 19. On essaye de contester la tour stygienne. On a Izanami qui est en train de speed push et qui essaye de faire tomber la T2 de la solo. Oh, ils jouent bien les rouges. Ils jouent très très bien les rouges parce qu'ils savent que Izanami est en train de speed push, donc il faut lui faire gagner du temps. Il y aurait beaucoup de gens qui rageraient là et qui diraient mais Izanami pourquoi t'es pas là, etc. Et qui font gagner du temps. Ok, la tour stygienne est tombée. Derrière Izanami, faut que tu continues ma grande. Faut pas que t'aies fait ça pour rien. Parce que là, eux, ils vont à leur tour prendre des tours. Voilà, la tour, la T2 va tomber. Le snipe de rat qui est égide. Et derrière, on prend le kill avec le 3. C'est bien joué. Oh oui! Magnifique Faino qui en quel pré-shot de monstre. Il sait que le Kamazot est en difficulté. Il sait que le Kamazot va reculer. Et donc, il pré-shot de 1 à 2 secondes la position du Kamazot. C'était bien joué. Ils vont back pour Fire. Non, non, ils vont pas back pour Fire. Ah, moi je suis un grand, grand fan de la pénétration. Enfin, si vous voulez. De toute façon, si vous voulez faire des dégâts actuellement dans le jeu, faut faire Livre de Toth. Divine Ruine, Lance de Déso. Déjà là, vous avez 40 des 50 de pénétration plate possible de votre personnage. Et ensuite vous faites éclat d'obsidienne. Et ensuite vous faites bâton de Tahuti. Et là vous allez faire mal. Et vous avez, et une fois que vous avez votre élixir à 3000, vous avez 40 de pénétration flat. Et 60 de pénétration en pourcentage quand vous lancez un sort toutes les 10 secondes. Et sinon 40. Et là vous allez faire d'énormes dégâts. Allez, on est parti. Alors, on rappelle que le totem jaune donne 5 de pénétration flat et 5% de pénétration. Oh! Et il le prend, Fainoke, car oui, il a maintenant... il a déjà 40% de CDR car il n'a pas fait la dimension parallèle mais il a fait le pendule des âges. 20% de CDR, 10% de CDR ici, ça fait 30%, 30% ici 40, 40% de CDR. Donc on est bien, c'est le maximum qu'on puisse atteindre sauf si on prend la bolangue du sphinx. Et ensuite derrière il est à combien de pénétration en pourcentage? 40-40, donc le fait de prendre le totem jaune ne sert à rien. Enfin, il a 40% sur les 40%, mais on rappelle que le passif donne 20% de pénétration sur un sort toutes les 10 secondes qui permettent d'overcap le 40% de maximum, qui fait qu'il a 60% sur un sort toutes les 10 secondes, mais ensuite tous ses sorts pendant 10 secondes seront à 40%. Il a combien de pénétration flat? Vous allez me le dire, bah, il n'en a pas beaucoup. Il en a 15 sur les 50 et c'est pour ça qu'il prend le totem jaune. Mais notez que là, le jaune, ça donne 5 de pénétration flat et 5% de pénétration. Le 5% ne sert à rien. Donc il prend ça juste pour la pénétration flat.
Donc pour avoir 5 de pénétration flat. Donc d'ignorer 5 de résistance magique d'un adversaire. Est-ce que ça justifie? Bon. L'équipe rouge qui fait un Fire Giant, encore une nouvelle fois. Colossale cette équipe rouge. À quel point elle sait jouer. Regardez comment ce sont des gens qui ne give up pas. 0-3, 2-3, 0-2, 0-2, 3-2. Ils ont un mental de fer. Je souligne ça parce que les demeurés qui give up au bout de 3 minutes de game, on s'en tape tous les jours. Et donc c'est bien de rappeler qu'il y a des gens qui jouent au jeu pour jouer. Qui se plaignent. Là, tu vois, Izanami, c'est saoulant d'avoir une Izanami solo. Mais c'est le jeu, ma pauvre Lucette. Il est pique. C'est déjà trop tard. Et bah, quand même, on joue avec les forces. Izanami, ça va permettre de faire le fire rapidement. Et derrière, ils vont aller faire la gold. Et ils vont repasser devant au niveau des golds dans cette partie. Incroyable du cul comment cette équipe rouge se bat. Se bat alors qu'il y a 12-5 et qu'on aurait pu croire que c'était déjà plié d'avance. Et voilà, l'équipe rouge. 55 800 à 50 5500. Gros taf. Gros taf. On peut les applaudir. Ils méritent largement un petit pouce vers le haut. Et moi aussi d'ailleurs. Je mérite un petit pouce vers le haut. D'ailleurs, prochain projet, je le tease ici. Je le tease ici, mais vous le voyez. Je vous le tease ici. Je fais ma propre pub. En même temps, je suis chez moi, donc c'est normal. 296 subs sur 300. Sachez qu'il va y avoir le live des adieux de Paladin samedi 27 avril. Donc pour ceux qui ont joué à Paladin à une époque, etc., sachez que je fais mon live des adieux. Et après ça, je prépare mon prochain sub goal qui sera, si on passe la barre des 400 subs, je ferai un live 24 heures pour l'alpha de Smite 2. Quand elle sortira, je ferai 24 heures de Smite 2. Donc si vous êtes chaud, en tout cas, n'hésitez pas à en faire la pub. Et si ça vous plairait que je fasse 24 heures de live Smite 2 au mois de mai, pendant le premier week-end de... Voilà l'égide. Très bonne égide de la part de Vulcain. Il aurait pris si cher. Le Odin s'en sort. Le Harlem qui prend son petit kill. Excusez-moi. Le flash de Kamazot sur le Harlem Shank pour essayer de le tuer. C'est esquivé de la part du Chernobog. On met le combo sur Fine, ok, il utilise la purée. Chernobog claque son ulti, retombe à côté du Kepri, essaye de le root. Le silence, le snipe qui est raté. On met un petit 1. C'est chaud, ça passe, on réussit à sécuriser le kill. Le Chernobog qui est dans la merde. Oh là là, le ratage! Oh là 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 là! Ça c'est rigolo, hein. Ça c'est rigolo. Ne vous auto-flagellez pas. Ne auto-flagellez pas des bons joueurs. Les gens, quand vous jouez dans une game et qui disent « Ah, il a raté son 1 », regardez ce ratage incroyable de Fainoke, joueur pro depuis la saison 5 jusqu'à la fin de la saison 10, et regardez ce ratage monumental. Là il a pas fait grand chose, hein, parce que là vous regardez, là ça touche une personne, là ça rate. Je crois que le snipe avant il avait raté, il avait été égide. Là il touche, c'est vrai, là il touche. Hop, ok. Et là regardez comment ça va rater. Bam, il est quasiment au corps à corps. Et le Cherno snipe de l'autre côté, c'est quand même rigolo. Mais bon, c'est quand même rigolo. Comme quoi, vous voyez, on peut toujours rater des spells. Rappelons que c'est un jeu où il n'y a que des skill shots, hein, donc vous pouvez toujours rater un spell. Ça n'empêche que vous pouvez être bon au jeu et en ratant des spells. Parce que souvent, les gens disent « Ah, t'as raté là !» Mais en fait, quand vous voyez un joueur... Oh, ça touche! Oh, la sidestep vers la gauche, c'est rigolo! Et ça l'a mis. C'est exactement la même erreur que Vulcain tout à l'heure, qu'à sidestep vers la droite, alors que le sidestep vers la droite le faisait sortir du sort. Là, le sidestep. Sur le premier move de Vulcain, c'est des sidestep de la gauche qu'il faisait sortir de la zone. Et là, c'est sidestep vers la droite qui l'a fait sortir. C'est sidestep vers la gauche qui l'a fait rester. En fait, je sais pas si on sortait... Hmm.
Attendez, réfléchissons. Réfléchissons à quelque chose. Le joueur Izanami, il sait où est Ra. Ra est là. Toi, t'es là. Le snipe de Ra. Vous voyez, le snipe... Ouais, non, mais ça marche pas, ça. Putain, comment je peux faire? Le snipe de Ra, il est soit comme ça... Soit comme ça. Ouais. Vous pensez que c'est, à mon avis, mathématiquement, vu la position du rat, en fait, vu la position du rat, si tu sidestep, t'as plus de chances d'esquiver. Parce que si tu décales sur la gauche, je sais pas. Je sais pas, je suis en train de réfléchir à, est-ce que mathématiquement tu as plus de chances de l'esquiver en allant sur la droite vu qu'il est situé là. Ou alors en fait ça dépend à quel point le joueur en fait essaye de pré-shot. Ça dépend à quel point... En fait, ça dépend d'une chose. Ça dépend de... Est-ce que tu es obligé de fuir? Et vu que tu sais qu'il sait que tu es obligé de fuir, je pense que c'était le sidestep sur la droite qu'il fallait faire. Suivant l'angle, tu sortais plus facilement des rayons possibles du rat, puisqu'il sait que tu sais que tu fuis. Alors que vu qu'il sait que tu sais que tu fuis, vu le positionnement du rat, si tu as tendance à sidestep vers là, vu que tu es en train de fuir, bah tu restes plus facilement dans le rayon que si tu sidestep vers l'extérieur du rayon, vu qu'il sait que tu sais que tu fuis. Je sais pas si c'est compréhensible. Et qu'en fait, Izanami, elle aurait dû sidestep vers la droite, car Ra était vers sa droite. Et je pense que si c'était l'inverse, les faisceaux seraient dans l'autre sens. Et si tu sidestep par là, bah tu auras tendance à plus sidestep vers l'autre côté, vers la gauche pour essayer de dodge, parce que les rayons ils partiront, ils seront comme ça. Vous voyez, les rayons là ils auraient été comme ça, donc j'aurais pu... Ouais, je sais pas s'il y a des maths à aller chercher là-dedans. En tout cas, je vous laisserai réfléchir. Est-ce qu'il y a des maths là-dedans? Vous avez 5 heures, dissertation. S'il y a vraiment des explications scientifiques qui sont capables d'être tirés de tout ça. Je me demande s'il y a déjà des gens qui ont réfléchi à ça. Je suppose que oui, hein, les MOBA existent depuis tellement longtemps. Que voilà. Donc n'hésitez pas, vous avez 2 heures pour me dire si mathématiquement il y a plus de chances ici de sidestep. Il fallait sidestep vers la droite. Parce que c'est facile de dire ouais, il fallait sidestep vers la droite, facile. Mais est-ce que mathématiquement, vu l'angle, il faut plus sidestep vers la droite selon le positionnement RA, selon le C que toi. Le mouvement, le train avance à tant de kilomètres par là parce que t'es obligé. En fait, la Izanami, elle va pas repartir dans l'autre sens, c'est peu probable puisqu'elle est pourchassée et qu'elle veut survivre. Donc elle va généralement aller vers là. Bonne question. Voilà, vous avez 4 heures, c'est parti. Oh, la petite auto sur Izanami qui permet de récupérer le kill. On a les sbires qui sont là. On met alors le heal, il faut le mettre sur les sbires. Pas bien, fine, ok. Pourquoi? Et parce que ça permet aux sbires d'être plus tanky et donc d'avoir plus de chances de survivre. Ça donne également les protes aux alliés, aux sbires. Et ça soigne aussi les alliés. Donc c'est important. D'ailleurs, le 2 de Kepri et le 3 de Ra sont complètement pétés si vous voulez rendre les sbires increvables. On réussit à tuer pas mal de joueurs. On est maintenant à 3000, un peu moins de 3000. On a 2500 gold d'avance pour l'équipe bleue. Et on se dirige. Notez le petit achat de Fine OK. Bon, moi j'aime pas. Moi je joue souvent le calice de vie sur la middle lane. Donc je peux pas acheter ces wards là. Mais ces wards là sont très forts. Ça permet de faire pop un aigle qui va prendre la vision sur les adversaires. Ça peut être intéressant pour un rat quand on veut sniper. En gros, si vous jouez contre un rat qui joue cet objet, dites-vous bien que dès que vous voyez que vous êtes vu
par le petit oiseau, faites un sidestep vers la, d'un côté ou vers l'autre. Un sidestep, on rappelle que ce n'est pas faire des pas chassés vers la gauche ou vers la droite, c'est se tourner complètement. Hein. Puisque vous allez beaucoup plus vite. Oh, ça va être chaud pour le petit Ganesh des familles qui se fait manger. On rappelle que la cage de Odin ne marche pas pour, pour Ganesh, parce que Ganesh, pendant son 3, il passe à travers les murs. Allez, on va faire le pyromancien dans la foulée. Notre petit Fainoke qui est bien dans sa game, mais qui doit avoir beaucoup de gold dans la popoche, donc il va back et partir sur un Tahuti. Quoi ? Une orbe funeste maintenant ? Mais tu te fous de ma gueule, Fainoke ? Pas aller la faire avant. C'est parce qu'il voulait stacker sa pièce de charron rapidement, ensuite la lance de Dezo. Ouais, il voulait la pénétration assez tôt dans la partie. Oh, ça peut se comprendre. Ça peut se comprendre. Trop tard. Oh, par contre, il snipe. Et il fait très, très, très mal au petit Kamazotte. On vole les coffres adverses. Toujours très important. On laisse le camp, il y a autre chose à foutre. Il sait qu'il peut être res par le. Il sait qu'il peut être res par le Kevri, parce que là, il joue un peu agressif. La cage d'Odin. Le dynamite qui se barre. Le bouquin qui est coincé dedans. Et le bouquin qui meurt. Le snipe ! Oui, bien joué. Ça, ça passe parfaitement. Parce qu'elle se dit, là, Izanami, qu'elle n'est pas forcément le focus. Et donc, ça passait. Double kill de Fainoke. Magnifique. Un petit triple pour Fainoke. Faut pas que le Kepri. Voilà. La petite auto. Ah non. Le vol, de... le vol du triple. Ah dommage. Et bah voilà les petits potes à la compote finalement. Ce qui est ouf à quel point Smite peut se finir. Une game peut se finir très très vite. C'est un peu triste pour les rouges qui avaient quand même très 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 bien tenu. Mais ça montre à quel point le jeu va très très vite hein, cette saison. Et boum, c'est finito pipo. 11-0-8, les petits potes à la compote. Et voilà comment un solo laner écrase une game. Et très très belle game, il y a eu très peu de morts hein, du côté de l'équipe. Seulement 5 morts les amis. Et pourtant les rouges ont si bien tenu. C'est incroyable quand même. Comment ils ont réussi à jouer les objectifs et pas les kills. Et c'est là qu'on voit que dans un MOBA, oui, bien évidemment, au final, c'est quand même l'équipe de Fainoke qui gagne. Mais à quel point quand même les objectifs ont permis, en prenant Bull Demon King, Fire, Pyro, Tour, etc., ils arrivaient à se maintenir dans la partie. Merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Bon, désolé, en ce moment, on parle énormément de théorie, sidestep, tout ça, macro, etc., parce que bah, c'est quelque chose qui va être très important à faire comprendre aux nouveaux joueurs qui vont débarquer sur Smite 2 d'ici quelques semaines. Voilà, donc tenez-moi au courant pour ceux qui veulent faire une dissertation sur le sidestep vers la gauche ou le sidestep vers la droite, selon le positionnement de Ra et de son snipe, pour essayer de dodge le spell. Je pense que ça doit dépendre des situations. Et voilà, voilà. Merci d'avoir regardé cette vidéo, et puis on se retrouve nous demain pour une nouvelle vidéo de Smite sur la chaîne. Ciao.